Êtes-vous prêt pour le frisson? Êtes-vous prêt à ouvrir des cartons? L'heure est venue de débuter l'unboxing du mois d'octobre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing du mois d'octobre. Nous sommes le 2 aujourd'hui et je commence directement mon unboxing avec ce colis là, ici le petit, et ce plus gros colis qui est assez lourd. Et en fait je commence tout de suite parce qu'il s'agit d'un colis fraîche, donc je dois l'ouvrir directement aujourd'hui. Je vais commencer par celui-là, je ne sais pas ce que c'est du tout. Il me vient de la part de Tessie, donc je vais prendre un petit couteau. Voilà, j'ai pas mon cutter, hein. Tout est dans le grenier. Alors ici, je me suis mis dans la cuisine parce que, étant donné que ce colis-là, c'est de la nourriture, là, le gros, je voulais l'ouvrir dans la cuisine. Ah, ici, c'est pas un gain. Ici, c'est un... C'est un bon plan en fait, c'est un bon plan, c'est un mug isotherme en fait pour l'achat de 3 produits de la marque Lu, les gâteaux Lu. On pouvait commander un objet collector, donc moi j'ai choisi ce mug à café là que je trouve super pratique. Voilà, ça c'est pas un gain mais ça me fait plaisir quand même, ça va me servir. Si jamais je veux partir avec un café, je pourrais tout à fait. Donc là, ce qui m'intéresse le plus, c'est ce colis-là. Allez, on enchaîne. Hop. Alors, ce colis, c'est un gain par tirage au sort avec Maison Foodie. Donc là, ils m'ont laissé un petit mot, cher Marion. Bravo, nous vous souhaitons une très bonne dégustation, les équipes Maison Foodie. Alors, ils m'ont mis ici un paquet de chips salés. Voilà, paquet de chips salés. Ils m'en ont mis deux, pareil. Deux paquets de chips. Oh là là, ah, ça a l'air sympa. Alors, ils m'ont mis Mini Involtini. Je ne sais pas si je le dis bien, Mini Involtini. Ah, ça a l'air sympa, on dirait on dirait du petit jambon fumé, de la roulade de jambon fumé avec du fromage frais. Ça a l'air super sympa. Ensuite, il y a du houmous extra au pois chiche. Voilà. Ils m'ont mis des crevettes cocktail. Sympa aussi. Du guacamole de chez Blini. Voilà. Du tzatziki, oh je sais pas si je le dis bien mais c'est pas grave, du truc comme ça là, donc ça doit être concombre, ouais, fromage frais et concombre, j'avais bien aimé la dernière fois, donc ça tombe bien, j'en ai encore, c'est super. Fromage frais fouetté à l'échalote, il y a beaucoup de lumière hein, ici dans la cuisine, voilà. Encore du concombre, fromage frais, yaourt à la grecque, à la grecque et aneth. Voilà. Le petit assortiment de Blini pour faire des tartinades. Et la dernière chose, c'est du saumon fumé de chez Laberry. Il y a combien de tranches? 4 tranches de saumon fumé. Voilà, donc un super cadeau remporté par tirage au sort. Je suis trop contente. Les colis alimentaires, ça me plaît beaucoup. Donc voilà, à bientôt pour la prochaine séquence. Salut. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre et comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de cartons à ouvrir avec vous aujourd'hui. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartons à ouvrir. Donc je suis super contente. Il est temps parce que là, je commence à vivre dans les cartons. Je vais commencer par 4 cartons, ces 4 cartons là qui sont en fait un envoi groupé d'un seul et unique gain. J'ai remporté un bon d'achat avec Leader Price et dans ces cartons il y a simplement des courses. Donc je vais vous faire montrer en vite fait ce que j'ai commandé. Ah.
Alors, je vais accélérer, sinon ça va être trop long pour vous. Un paquet de trésors. De la sauce provençale. Du saucisson sec. Des petits gâteaux. Du riz basmati. De l'essuie-tout. Du papier toilette. Des compotes en format gourde. De l'allume-feu. De l'huile d'olive. Du gel douche. Du liquide vaisselle. Du shampoing. Encore du liquide vaisselle. Des carrés d'éponge. Encore du gel douche, des madeleines, des galets bretons, des balistos, une housse microfibre pour laver par terre, des haricots verts, des sacs poubelles, du cassoulet, de l'ananas, des raviolis et du maïs. Donc voilà, ce cadeau, ces 50 euros de bons d'achat m'ont clairement permis de faire un plein de courses, donc je suis super contente. J'ai juste dû payer les frais de port, hein. Sachez que avec Leader Price, si jamais vous gagnez des bons d'achat, et ils demandent juste de payer les frais de port, donc voilà, ça m'est revenu à pas cher pour autant de courses. Donc je vais enchaîner avec les autres cartons. Donc je vais ouvrir celui-là, je pense savoir ce qu'il contient. Alors oui, c'est bien ce qu'il me semblait. En fait, ce cadeau-là, je l'ai remporté via un tirage au sort par formulaire sur le site de Femme Actuelle. C'était un jeu concours Femme Actuelle organisé avec les savons de Joya. Les savons de Joya. Donc, à l'intérieur, ça sent très bon, ça sent la menthe. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont mis? Ah, super! Je connais une personne à qui ce cadeau plairait beaucoup. Donc là, il s'agit d'un shampoing solide. Un shampoing solide. J'ai jamais testé le shampoing solide, hein, ça sera une première pour moi. Ici, il y a un déodorant recharge. Ici, oh, ça a l'air sympa aussi, un shampoing sec. Un shampoing sec pour tout type de cheveux. Je ne connaissais pas du tout cette marque, hein, je découvre en même temps que vous. Ici, un sérum visage éclat, tout type de peau, bonne mine. Voilà. Et super sympa ce cadeau. Il a une valeur en tout de 75 euros. Donc c'est pas mal. Ah d'accord. Ok. Donc c'est ça en fait le stick de déodorant rechargeable. Hop. Vous voyez en fait quand je l'aurai fini, je mets la recharge dedans. J'avais pas compris le système. D'accord. Et ici il y a une petite roulette pour faire sortir le savon. Enfin le déodorant. C'est sympa comme concept. Je connaissais pas du tout. Ça aussi ça peut m'intéresser. C'est un démaquillant en stick. C'est super original comme cadeau. Je découvre des concepts que je connaissais pas du tout. C'est super sympa. Donc démaquillant en stick. Ah c'est ça qui sent si bon. Ah celui-là il sent vraiment trop bon. C'est un savon à la menthe verte. Et on sentait l'odeur à travers le carton. Il sent vraiment très bon. Regardez. Hop. Voilà, et la dernière chose ici, c'est un après-shampoing solide, nourrissant et démêlant. Ça peut être sympa aussi. Donc voilà, c'était tout pour ce cadeau-là. Donc une valeur de 75 euros. Je remercie énormément Femme Actuelle. Et les savons de Joya, je n'ai pas gagné ça par SMS, je l'ai gagné par le formulaire directement sur leur site. Je sais que souvent, il y a des personnes qui me demandent si j'ai déjà gagné avec Femme Actuelle. Oui, j'ai déjà gagné souvent en tirage au sort simple comme ça, gratuit avec Femme Actuelle. Hein. C'est possible, si vous ne gagnez pas, c'est tout simplement parce qu'il y a énormément de monde sur ces jeux-là. Mais il suffit d'une fois, donc il faut continuer à y croire et à participer. Donc dernier colis ici, je pense savoir ce que c'est aussi, je suis trop pressée de l'ouvrir. On va vérifier ça tout de suite. Ah super! Ah c'est bien ce qui me semblait. Alors ce cadeau là, je l'ai remporté avec Wilkinson et Hawaiian Tropic. Alors, de base, j'ai déjà...
le bronzage sans soleil, donc l'auto-bronzant de chez Hawaiian Tropic, ici. Light Medium, hop, éclat parfait sans trace, parfum tropical, testé sous contrôle dermatologique. Donc un beau petit cadeau. J'avoue que là, bon, c'est plus l'été, mais de toute façon, il me servira l'été prochain, il n'y a pas de problème. Oh là là, je crois que j'ai été gâtée. Ah, c'est trop bien. Alors ici, j'ai des rasoirs jetables Extreme 3 Beauty Sensitive. Il y en a pas mal, il y en a 6 à l'intérieur, voilà. C'est cool, en plus je voulais me racheter des lames pour mon rasoir, j'aurais pas besoin de me racheter des lames. En plus les lames de rasoir c'est cher, donc à chaque fois ça m'embête, à chaque fois c'est 15 € en plus sur la liste de courses. Donc là je suis trop contente d'avoir gagné des rasoirs, c'est cool. Ici, oh là là, trop bien. Oh bah là je suis, regardez ce qu'ils m'ont mis. Bah, je pensais que j'allais avoir un rasoir, moi. Je pensais pas que j'allais avoir plein de rasoirs comme ça. Là, ils m'ont mis le Quattro for Woman Rose Gold avec 1, 2, 3, 4, 5 lames. Ah bah c'est bon, je suis tranquille, c'est trop bien. Je sais pas combien ils coûtent, mais ouais, à mon avis, ça doit être une petite vingtaine d'euros, je pense. Trop contente. En plus, il est trop beau, il est trop joli en rose gold comme ça. J'adore. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, oh, ça a l'air cool ce truc. C'est des lames pour être précise quand vous faites vos sourcils, regardez. C'est pour raser les sourcils précisément, avec précision. Je connaissais pas le concept. Ça a l'air sympa aussi. Je sais pas combien ça coûte, mais c'est trop bien. Oh non, mais sérieux, c'est trop bien. Regardez, ils m'ont mis ça aussi. Oh, je suis trop contente. Oh, je suis trop contente. Alors, 4 ultra thin blade, 4 lames ultra fines à l'intérieur. Le Quattro for Woman, le spécial bikini. Oh, c'est trop bien. Waterproof, tondeuse étanche pour la zone du maillot. Ah bah franchement j'étais gâtée, je m'attendais pas à avoir autant de rasoirs. Je suis tranquille là, c'est trop bien. Regardez. Oh, je suis trop contente. Donc je remercie Hawaiian Tropic et Wilkinson pour ce superbe cadeau. Franchement, je suis trop gâtée, je suis trop contente. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine séquence, s'il y en a une bien sûr. Allez, bye bye. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre. Demain, c'est Halloween. Donc, je vous ai fait une petite déco spéciale Halloween. J'ai même sorti un t-shirt qui réagit en fonction de ma voix. Genre, ah, oh, je suis là, je suis plus là. T'as vu? Ça fait des... Les yeux s'illuminent avec le bruit. Donc, voilà, c'était franchement le bon moment pour sortir ce t-shirt. J'ai même sorti ma petite baguette magique, donc faites attention, sinon je vais vous jeter un sort. En tout cas, le sort en est jeté pour mes 4 derniers colis du mois d'octobre. Je suis trop pressée de les ouvrir parce que je vous avoue que ça fait un moment qu'ils sont à la maison. Donc, on va commencer par cette petite lettre juste ici. Pratiquement tous les cartons, je sais ce que c'est, mis à part un. Donc, pas de grande surprise, mais des beaux petits cadeaux, vous allez voir. Donc, il y a ce premier... Cette première lettre ici, hop, alors ça se présente comme ça, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur? Moi je le sais, mais vous n'en savez rien, donc il y a du suspense. Non, c'est un petit cadeau, mais c'est un petit cadeau qui fait très très plaisir, étant donné que j'adore, et Zoé aussi, nous adorons le miel. Voilà, je ne sais pas si ça se voit bien, mais c'est du miel de fleurs que j'ai gagné grâce à Gaz de Bordeaux par tirage au sort. Donc voilà, le miel est de plus en plus cher ces temps-ci parce qu'il y a un souci avec les abeilles. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais les abeilles galèrent un petit peu à faire du miel en ce moment. Donc je suis très contente d'avoir gagné du miel. Voilà, merci Gaz de Bordeaux pour ce beau petit cadeau. Alors, ensuite, j'ai ce carton-là qui est un petit cadeau pour Zoé et je suis très contente parce que je trouve qu'en ce moment, je gagne très peu de choses pour Zoé et c'est un petit peu aussi pour nos enfants qu'on joue à des jeux concours pour leur offrir des cadeaux. Donc ça, ça sera pour elle. Je suis très contente. Je vais vous montrer ce que c'est. En plus, c'est pile poil bien pour ce week-end, vous allez comprendre.
Alors ça, je l'ai gagné avec Haribo. Et en fait, c'est un petit jeu de théâtre pour Halloween. On peut sûrement créer des petites marionnettes en carton et faire des petits spectacles d'Halloween avec ces petits personnages. Donc c'est super ludique, c'est super sympa. C'est à partir de 3 ans, vous voyez, et c'est Haribo qui propose ce jeu. Donc ça plaira beaucoup à Zoé. Je vais lui offrir tout de suite, comme ça elle pourra jouer avec, créer ses petits personnages et tout. Donc je sais pas combien ça vaut, peut-être une quinzaine d'euros sans doute, je regarderai. Si je trouve le prix, je vous le mettrai juste en dessous. Mais ça, je l'ai gagné par tirage au sort sur Facebook et je remercie beaucoup Haribo pour ce beau cadeau. Alors ici c'est un inconnu, on dirait c'est sûrement un livre. J'ai peut-être une petite idée mais je suis pas sûre que ce soit ça, donc je vais l'ouvrir tout de suite avec vous aussi. Ça a la forme et le poids d'un livre en tout cas. Oh sympa. Attendez, je vais regarder s'il n'y a pas un petit mot. Non, il n'y a aucun mot. C'est une BD. Donc ça, c'est génial. Parce que Zoé est vraiment à fond dans les BD. Elle adore les BD. Elle en lit une tous les soirs avant d'aller se coucher. Enfin, peut-être pas complète, mais elle lit beaucoup avant d'aller se coucher. Et là, ça a l'air très mignon. Ça a l'air très mignon. Alors, c'est Pico Bog sur le chemin. D'accord, je connaissais pas du tout. Ça a l'air plutôt adapté à son âge. Bah, c'est une bonne surprise. Je mets ça dans mon œil. J'ai failli me percer un œil avec la BD, c'est pas grave. Donc ça, ouais, ça, je suis contente parce que du coup, ça lui fait deux cadeaux. La boîte Haribo et ça, c'est un deuxième cadeau pour ma fille. Donc je suis vraiment très contente. D'ailleurs, je suis pressée d'être au mois de décembre. J'espère qu'il y aura plein de jouets à gagner. Parce que moi, j'aime offrir les cadeaux que je gagne à Zoé, ça c'est clair. Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas gagné de jouets comme ça ou de bouquins adaptés à son âge, donc je suis contente, voilà. Alors j'ai un dernier colis, donc ça c'est un beau cadeau, je suis contente. C'est aussi du tirage au sort, ça d'Argo, par contre la BD je sais pas du tout comment je l'ai gagné. Faudra que je regarde, je vous noterai si je trouve sur quel concours je l'ai gagné, mais ça me dit rien du tout là, cette BD. Et ça c'est un cadeau que j'ai remporté avec le site L'étudiant. Donc c'était un formulaire directement sur leur site web et j'ai gagné un bon d'achat. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc en fait, j'ai gagné un bon d'achat de 40 euros à dépenser sur le site Avril Cosmétique. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai choisi. Par contre, là, je vais peut-être allumer la lumière pour que vous voyez mieux les produits, parce que je vais vous faire montrer en détail. Pour ce cadeau-là, ce sera peut-être un petit peu mieux de mettre plus de lumière, un peu moins tamisée. Alors, ici, j'avais choisi... Donc ici, c'est un crayon à lèvres couleur rose des bois. Voilà, de la marque Avril. Je vais vous montrer sur ma main la couleur. Vous voyez. Ensuite, pareil, j'ai pris un crayon fard à paupières. Alors, celui-là, il est de la couleur bronze nacré. Je porte pas beaucoup de maquillage, mais j'aime beaucoup le maquillage dans les tons marron. Voilà, c'est pareil, je vais vous faire montrer juste en dessous. Attendez. Hop. Ici. Ah, ça fait une jolie couleur. J'adore la couleur, c'est très joli. Alors ici, j'avais choisi une bébé crème teinte claire, unifie et hydrate. Certifiée bio, toujours de la marque Avril. Hein, toutes les cosmétiques que j'ai choisies, de toute façon, c'est Avril. Voilà. Alors ici, c'est une crème de rouge à lèvres mate, couleur pêche irisée. Voilà, c'est bientôt le mois de décembre, hein, donc... En décembre, pour les fêtes, on a tendance à ressortir le maquillage. Je ne suis pas quelqu'un qui me maquille souvent, mais j'aime quand même bien le maquillage, mais c'est pas quelque chose que j'utilise quotidiennement. Alors ensuite, j'ai choisi un shampoing nutrition pour les cheveux secs, certifié bio aussi. Donc je suis trop pressée de le tester, celui-là. Voilà.
Ensuite ici, un crayon à paupières couleur dragée nacrée, donc très rose, très clair. Ici, vous voyez, c'est vraiment très clair. Je ne sais pas si ça va se voir beaucoup. Mais c'est très subtil comme couleur, donc on peut la porter facilement. Et ensuite, les deux dernières choses que je me suis offert, je trouvais franchement que les cosmétiques n'étaient pas très chers sur leur site. Par exemple, les petits vernis, là, c'était 3 euros. Ça va, 3 euros, c'est pas très cher. Bon, c'est des petits vernis, hein. Mais je m'attendais à ce que les cosmétiques Avril soient beaucoup plus chers. En fait, non, c'est plutôt abordable. Donc, je sais pas s'il y a la teinte. Ah, si. Celui-ci, c'est couleur sable doré nacré. Voilà. Et celui-là, j'ai pris couleur rose thé. Très clair. Voilà, donc je suis très contente. J'étais pile poil à 40 euros de cosmétiques. Évidemment, je n'ai pas payé les frais de port. Hein. Les frais de port étaient inclus dans le lot. Donc voilà, je suis très contente de mes cadeaux de ce mois-ci. J'espère que vous aussi, vous avez fait un beau mois d'octobre. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez gagné, parce que vous savez que je suis une grande curieuse et que j'aime savoir ce que mes abonnés ont gagné. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, que la chance soit avec vous. À bientôt, salut !